Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Teeny Tiny's Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah, il a sauté. Le sort s'acharne. Ainsi tu la suis dans cette quête pathétique. Très bien. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir tracer son destin. Mais mes plans maléfiques, c'est moi qui en décide. Après tout, le monde ne va pas se plonger tout seul dans les ténèbres, pas vrai? Vous tombez sur une mystérieuse musique. Et vous sentez un max de magie qui en émane. On sait tous très bien que je vais le toucher. La lumière! Je suis en vie! Une seconde. Ok, bon, disons à moitié. Mais vous m'avez libéré alors. Merci! C'est toujours un plaisir de croiser un visage amical, quoique transparent. Quel est votre nom? J'ai eu un nom, il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, on m'appelle simplement le Matard. Pardon, c'est quoi un Matard? Ah, juste le fils indigne d'un magicien. Les Matards sont de rares mages d'une grande puissance. Je suis nécromancien. Mais quand j'ai refusé d'obéir au Seigneur Dragon, il a arraché mon âme de mon corps et l'a fourré dans cette relique. Quel salaud, pas vrai? Carrément. Pour rien vous cacher, je me dirige vers la Grande Pyramide Maléfique pour coller une bonne raclée au Seigneur Dragon. Super, nous allons dans la même direction. J'ai l'intention de récupérer mon corps. Si vous m'aidez, je vous donnerai un puissant outil contre le Seigneur Dragon. Tenez, un petit avant-goût. Rien que pour vous. Ce geyser est le seul moyen de monter, mais un enchantement le protège. Heureusement, les enchantements, c'est mon truc. Vous voyez ? Un jeu d'enfant. J'adorerais savoir faire ça. Je pourrais vous apprendre à briser des enchantements quand j'aurai retrouvé mon corps. À présent, grimpons ces falaises. Allez, en route ! C'était quoi ça ? Vous êtes où ? Du calme. Je prends juste un taxi. La mobilité, c'est pas ça quand on est un fantôme. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi on traînait toujours dans des vieilles bicoques ? C'est pas pour le décor. J'aimerais juste signaler que même si je fais pas du tout confiance à ce nécromancien, cette fois-ci je dis rien. Ah, ça c'est du développement de personnage. Rien à voir. Mais il y a un truc qu'on appelle MC Crox, ou exorcisme inversé, qui consiste à piéger l'âme de quelqu'un dans son propre corps, puis à exploser. Et après tout le monde va en enfer, si jamais ça peut aider. Ah oui, mais c'est pas beau à voir. C'est arrivé à mon ami Connor à un anniversaire. N'avez aucune chance. Qu'est-ce que j'aperçois là? Oh, un simple ascenseur qui est aussi un squelette? C'est un ascensequelette. Pas mal. Moi, je l'ai fait moi-même. Je vais installer un petit penthouse en crâne. C'est par la mâchoire que vous allez monter. Je vais voir si je peux la laisser dans cette forme. Braguetaria cucurbita. Du quartz brut.
tient en place. Peut-être qu'en tirant sur le quartz, ça va les faire bouger. Où ça? Qu'est-ce quoi? Quel quoi? Stop. Rejoindre la machin, tirer sur le quoi? Ah, ça! Ah, peut-être lui? Ah. Ah ben mec. Oh, Lise, c'est mon gars qui a une chatte à tirer. Qu'est-ce que tu fais, Jess?
méchant. Chaque personnage que je croise est une âme en peine qui t'entraînement de lutter contre les âmes de ce monde. Ça fait le don d'attirer les minables. Ou alors, elle est tout bonnement incapable d'écrire ses personnages autrement. Ça a duré 3 plombes, sérieux ? Quelqu'un a dû se battre, je reviens.
un stock de reliques chargées aux étages supérieurs. Il y a un autre ascenseur plus petit pas loin. Bien moins cool, mais vous pourrez l'utiliser. Bon.
Ah bah, ouais. J'ai pas d'autre explication. Je peux pas enlever ça encore, c'est vrai. Ah shit. La chance nous sourit. Comment je fais aller en haut maintenant là? Ah là. Je peux lancer mon sort. Qu'est-ce que tu fais, Jess? Regardez tout cet équipement minier. Il fait quoi le Seigneur Dragon par ici? Vous avez certainement vu ces cristaux autour de nous. Le quartz absorbe naturellement l'énergie spirituelle et la puise carrément dans le sol. On va à la guerre. Il se sert de ses armées pour le miner. Mais un jour, il m'a ordonné de transformer des gens en ouvriers morts-vivants. Je lui ai dit, va chier, mec. Et voilà le résultat. Je reconnais que dit comme ça, j'ai l'air très méchant. Mais le corps de ce type regorgeait de puissance qu'il n'utilisait même pas. Si on ne prend pas garde, on se fait arracher son âme et jeter au fond de l'océan. Ça arrive. Ah, yes.
suis d'humeur. Magique. Comment ça, je n'ai tombé dans un bug? Se trouve quelque part dans ce corps minier. Je peux relancer des sorts. Regardez. Parler des héros, et pour être honnête, les autres nécromanciens en parlent beaucoup. Mais
et je commence à comprendre pourquoi vous avez une telle réputation. Dégagez son cadavre! Ben. J'espère que t'avais plus rien à accomplir. Bon. Non, j'ai pas assez de doigts.
Ouais, quelque chose, je n'ai pas ce doigt. Je le vois pas sur la map. Non, il est là. Que la bleuzaille comprenne bien. Ina fait sa propre audio d'esprit.
sort sa charme. Changer de place depuis la dernière fois. On a dû se détacher avec d'autres plateformes magiques flottantes. L'énergie spirituelle a besoin d'un corps conducteur, et ça, ça peut être que vous. Placez la relique, et on va pouvoir commencer. Avec autant d'énergie spirituelle, il vous faut plus d'une personne pour la canaliser, ou les conséquences seraient catastrophiques. Répétez après moi. Ragu. Burrata. Ragu. Burrata. Pesto. Bismol. Je retrouve mon corps d'athlète.
je crois que je m'attache à ce type. Focus, Jess. Focus, ta guerre. Tu joues pas à Bunker et Brutas depuis longtemps déjà? Hey, ça fait une mission, je l'ai commencé, ça fait 49 minutes, mais pas fini. Fred, tu t'es fait jeter de combien de campagnes en fait? En excluant celle-ci, tu veux dire? Toutes. Bienvenue dans ma garçonnière. Pas mal pour un crâne qui sert de maison. Le corps du matin flotte au-dessus de ce qui n'est pas du tout une arène de boss. Un boss. C'est trop bizarre. Expulsion fidèle de mon corps avant que ça devienne vraiment malsain. Je te sors, sors. Qui me tire, sti. Ouch. Oh, Alice, ça marche pas en toi. Oh, Alice, toi. Quoi, ici, vous autres?
Ah ouais, ça je pensais. T'es calice, toi. Ah, ça marche pas en tout. Lui, ça y est, ou calice? Et où est-ce? Où toi? C'est de moi, maman. Non, il reste une ligne. Laissez-moi vous présenter ma vieille amie, la mort. Elle me connaît et elle m'adore. Vous, en revanche... On dirait que quelqu'un se fait garder. C'était tabarnak.
pas encore reçu. Focus, Caribou, focus. Vraiment. Les deux bras morts, Asti. Parce que franchement, vous n'allez pas de main morte. J'ai pas vraiment frappé fort. Bon, vous avez promis de nous aider. Bien sûr, je vais honorer ma part du marché. Venez, suivez-moi. Je peux vous donner le pouvoir de briser les enchantements du Seigneur Dragon. Mais il y a un prix à payer. Pour votre âme. J'avais juré de ne plus utiliser la nécromancie pour le mal. Alors j'ai besoin de votre permission avant de procéder. Oh, cool. Mais notre âme, quoi? On en aura besoin à un moment? Bof, pour des petits trucs. Peu de magie, l'amour, le jazz. Rien d'important, donc. Ça me semble honnête. Vous êtes cordialement invité à faire des trucs bizarres à mon âme. Alors c'est parti. Et voilà le travail. Vous avez un huitième de mort-vivant en vous. Assez pour une déduction d'impôt. Mince, je ne trouverai jamais l'amour. Je plaisante, bien sûr, j'arrête jamais. Tenez, vos pouvoirs seront moins puissants que les miens. Il vous faudra donc une rune de dissipation. Celle-ci, par exemple. Essayez. Ce chemin vous fera traverser le désert. Vous trouverez la pyramide du Seigneur Dragon, au milieu d'une ville morte connue sous le nom d'Osgol. Merci de m'avoir aidé à retrouver mon corps. Il me reste 2-3 trucs à régler ici. Donc je vous souhaite bonne chance pour votre quête. Vous en aurez besoin. Le désert asséché s'étend devant vous. Vous sentez le sol se craqueler sous vos pas. Attention où tu mets les pieds, main du destin. Oh, j'ai une autre mission pour vous, si ça vous intéresse. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Tiny Tina's Wonderland, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!